Thank you.
This way.
Thank you.
Oh,
Ecco, qual è il piede? Thank you.
On n'a même pas besoin. Voilà. Donc là.
Thank you.
Ça peut aller. Mmh. Oui, oui. Bonsoir. D'accord, allez. Vas-y. Coach, bonsoir. Bonsoir. 2-0, c'est un score qui vous fait mal ce soir parce que certainement vous ne vous y attendiez pas. Oui, c'est sûr, mais c'est un championnat. Je pense que ce soir, les Sonabel en voulaient plus. Ils étaient plus engagés que nous. Ils étaient sur tous les ballons. Je pense que ils méritent leur victoire. Nous allons travailler pour revenir le plus rapidement possible. Donc, c'est vrai, le score il est un peu lourd. Parce qu'on aurait dû quand même marquer un but aussi lorsqu'on a vu la finale de la rencontre. Mais je pense que ça fait mal, mais c'est le championnat qu'on prend comme ça, en espérant avoir des journées meilleures. Qu'est-ce qui vous a véritablement manqué ce soir? Bon, c'est un peu l'agressivité, et au milieu et devant les buts. Donc c'est ce qui fait que l'adversaire était plus engagé que nous, donc ça nous a beaucoup handicapé. Sinon au niveau du placement du bloc équipe, je pense qu'il n'y a pas trop de choses à dire, mais c'est maintenant au niveau du mouvement d'ensemble au niveau de l'équipe que ça ne marche pas trop. Donc il va falloir travailler pour corriger cela. Okay. Merci. Okay. Allez coach, bonsoir. Et donc votre deuxième sortie sur le banc de la Sonabel et 2-0. Coach, La machine de la Sonabel est-elle lancée? Bon, je ne dirais pas que c'est la machine est lancée, mais dans tous les cas, j'avais dit en première journée que cette victoire face à l'ASPA allait avoir un déclic au niveau des jeunes. Et j'ai constaté ce soir effectivement que les enfants ont eu envie d'aller chercher cette victoire-là qui n'était pas évidente au départ de la rencontre. Bon, donc à ce titre-là, je peux dire que actuellement les enfants sont en confiance. Bon, si c'est ça, appeler la machine est en marche, je pense que en tout cas, nous sommes décidés à aller de l'avant. Coach, il faut le dire, en première période, vous n'avez pas beaucoup existé. C'est véritablement en seconde période que vous
poulets sont revenus dans le match. Qu'est-ce que coach a eu à dire à ces poulets? Simplement, vous savez que ce match-là, c'est un match spécial parce que celui qui était sur l'autre banc là-bas, c'est son banc que j'ai occupé. Donc, et tout cet environnement, en tout cas, crispé les jeunes parce qu'ils connaissent la valeur du garçon qui est de l'autre côté. Donc, ça a un peu crispé un peu les garçons. En deuxième mi-temps, à la mi-temps, j'ai demandé simplement aux garçons de se lâcher et de croire en leur victoire. Il fallait montrer des tripes. Et c'est celui qui avait plus envie de gagner ce match-là qui allait gagner. Et je crois qu'ils ont montré de l'envie. Et c'est ce qui a payé ce soir-là. Coach, force.